Ok. Ouais, je sais. J'adore mettre la lecture, même trop, même beaucoup plus. Vous voyez ça? J'en mets tellement, 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 tellement parce que je suis fan de la lecture. Hey, si vous voulez voir ce tuto maquillage tout en marron, comme voilà, comme mon habillage, comme je suis habillée, ben écoute, je vous dis, let's go! Hey, welcome to my channel, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Saouda, j'espère que vous allez bien et que vous avez de la positive attitude, c'est très important les gars, j'espère que tout se passe bien chez vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos à venir, comme ça vous serez prévenus. Donc aujourd'hui, regardez-moi comment je me suis habillée. Donc on va faire un petit tuto maquillage avec cette palette-là, tout en marron, 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 marron. Voilà, c'est très très joli. Donc je vous mettrai le lien. Comme d'habitude, en barre d'infos, c'est toujours à petit prix si vous souhaitez aller acheter et tester la palette. Donc, et puis en même temps, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, par où je vais commencer? Alors, je ne sais pas où est mon anti-cerne. Il est parti où, mon anti-cerne? Il est parti où? Et pourtant, j'avais tout préparé, il me semble, mais là, voilà, youp là, il est mon anti-cerne. Ah, voilà, il est là. Donc, allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser le fond de teint de L'Oréal de 330. Et hop, c'est parti. Donc, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Alors, ce qui m'est arrivé, j'étais dans le bus, hein, tranquille. Et là, je vois une dame toute belle, toute fraîche, une dame âgée, hein. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je vois que personne ne se lève pour lui laisser la place, vous voyez. Et donc, elle était quoi, à même pas 1 mètre de moi. Et là, j'attends, je vois que personne ne se lève. Mais je me dis, mince, Paris, hein, les Parisiens, chacun pour soi, quoi. Et là, je me suis levée et je suis partie la voir. J'ai dit, oui, madame, venez vous asseoir. Bon, je rigole, hein, parce que ça me fait rire. Donc, je suis partie la voir pour lui laisser ma place. Vous voyez, je lui dis, Saouda, elle est hyper gentille. Je lui dis, voilà, madame, venez. Venez vous asseoir, parce que voilà, comme il n'y a plus de place, etc., etc. Mais vous savez ce qui s'est passé? Râteau! J'ai eu un râteau, les gars. Elle me regarde, elle me dit, elle me dit, mais je ne sais rien demander. Ok. Là, je prends l'anti-cerne de Maybelline. Et du coup, j'ai dit, bon, écoutez, si vous voulez pas vous asseoir, c'est pas grave, hein, voilà, c'était juste question de respect, hein, pour les personnes âgées et tout. Et là, je vous dis pas, les gars, elle a commencé à s'énerver, ah, vous les jeunes, gna, 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 vous respectez personne et tout. J'ai fait tomber un truc. Ouais, j'ai fait tomber un pinceau comme d'habitude, c'est Saouda qui fait tomber tout. Et là, du coup, voilà. Et du coup, elle commence à s'énerver, commence à crier dans le bus, hein, en disant que les jeunes sont irrespectueux, qu'on n'écoute pas, qu'on leur dit non, c'est non. Voilà, je dis, mais calmos, madame. Allez, on sourit et tout. Et du coup, au final, moi, je suis repartie m'asseoir tranquille. Voilà. Je suis repartie m'asseoir à ma place, tranquillou. Et ce qui s'est passé, en fait, il y avait le chauffeur qui a freiné d'un coup. Et hop là, la dame s'est retrouvée
enfant. Et parce qu'il y avait, en fait, il y avait, je crois, une personne qui passait ou un vélo qui passait comme ça. Et du coup, bah, le chauffeur, il a freiné d'un coup. Et bah, du coup, la dame, elle se retrouvait out, quoi. Tout très, très loin de... du bus. Je vous dis pas. J'essayais de ne pas rigoler, mais là, j'ai pas pu. J'ai rigolé discrètement, voilà, faire genre la sérieuse, quoi. Non, mais racontez-moi un petit peu si vous avez des histoires comme ça, si vous arrive des trucs comme ça, parce que c'est dingue, quoi. C'est dingue. Vous laissez la place à quelqu'un plus âgé et tout, et bah, la personne, elle veut pas, elle s'énerve. Franchement, c'est dommage, hein. Donc là, je vais appliquer ici mon anti-scène pour que le maquillage... puisse rester assez longtemps. Et oui, donc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, voilà, des trucs comme ça? Racontez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire pour que je puisse rigoler un petit peu. Parce que franchement, on est dans un monde de ouf, surtout à Paris. À Paris, les gens sont oufissimes. Alors, je vais venir appliquer... donc, on va rester sur le ton un peu marron. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça, peut-être, hein, vous allez mieux voir. Donc, je vais commencer par le, comment dirais-je, du plus clair au plus foncé. Donc, je prends cette couleur-ci et je vais l'appliquer ici. Voilà. Donc, du coup, oui, racontez-moi un petit peu vos anecdotes si vous avez déjà eu des soucis avec les personnes âgées, hein, parce que faut les laisser tranquilles, hein. Ne leur proposez pas de s'asseoir à votre place, vous voyez, parce que voilà quoi, c'est les gens, on essaie d'être courtois, mais ben ils veulent pas quoi. Bon, moi je trouve vraiment dommage, tout simplement. Là, je viens prendre ce fard, cette couleur là, pour hop, pour le mettre ici. Moi, j'adore un maquillage qui apporte un petit peu de lumière. Et après, ça reste quand même assez discret, hein, comme vous voyez. Hein. Ça reste discret. Et du coup, voilà, donc ce qui m'est arrivé, hein, donc ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire parce que moi, je pense que les personnes âgées, en fait, ils veulent montrer aux gens qu'ils ont beaucoup plus de force. Et pourtant non. Donc là, comme je l'ai appliqué ici, donc vous voyez, c'est assez léger. Donc je viens prendre une couleur un peu plus foncée. Alors lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Et je viens l'appliquer au niveau du creux de mon œil. Et bien l'étaler aussi. Et du coup, oui, franchement, t'as beau être gentil, mais des fois, ça marche pas. Mais le râteau, je vous dis pas la tête, hein, comment elle était avec moi. Aïe, est-ce que j'ai une tête d'une personne agressive? Non, et du coup, voilà, les gens étaient partis l'aider pour la soulever. Donc, même regarder du coin de l'œil, quoi, genre, enfin, bref, voilà, donc, c'était mon petite anecdote de la parisienne, donc là, maintenant, je prends cette couleur-ci, ce fard-là, et je vais le mettre ici, au niveau du coin externe, hop. On va faire vraiment un truc très, 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 très léger et se rapprocher un petit peu de ce que j'ai mis, en fait. Et je viens prendre ce fard-là, celui-ci. Hop, et là, je le pose. Là, c'est toujours au niveau des tons marron. Donc, ouais, mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des histoires comme ça, voilà, que vous avez eu des râteaux, des gens qui, vous essayez d'être gentil avec et au final, ils vous donnent un coup de vent.
Donc voilà, vous voyez, c'est assez discret et toujours sur le ton marron. Je pense que je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui-ci. Peut-être il va mieux appliquer. Alors, il faut pas faire comme moi, hein, parce que moi j'ai l'habitude d'en mettre un peu trop. J'ai toujours l'impression que c'est pas assez. Mais voilà, c'est pas grave. Alors, j'aimerais bien matcher la couleur au-dessus avec une autre couleur. Voilà, je prends celui-ci. Je prends cette couleur-là pour essayer de le matcher au niveau du creux. C'était lequel j'ai pris? Ah, non, c'était celui-là plutôt. Voilà. Voilà. Au final, parce que voilà, on va rester sur les tons assez. J'aimerais bien un peu de noir parce que le noir. Avec le noir, ça change beaucoup de choses. Parce que sur cette palette-là, j'ai pas un truc très, 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 très foncé. Hein. Vraiment un peu plus. Alors, attendez. Attendez, attendez. Je vais voir si j'ai une palette à côté. Voilà. J'ai pris la palette de la marque Révolution. Je vais prendre, ben voilà, on a une petite couleur noire parce que vous voyez, dans celui-ci, voilà, hop, il n'y a pas, bon, je vais vous montrer. Il n'y a pas noir en fait, vous voyez? Moi, j'aimerais bien accentuer un tout petit peu, très légèrement. Donc, ben, je prends le noir qui est là et le mettre ici, hop, juste un petit chouïa quoi, voilà, pour accentuer un petit peu, voilà, voyez, là ça donne vraiment l'œil qui, on voit vraiment un petit peu l'œil qui s'agrandit un petit peu. Donc on s'arrête là, mais je vais quand même rajouter, oui, je sais, je sais, je sais. Je rajoute tout le temps. Oh, c'est pas grave. C'est les débuts, vous savez, hein, les débuts quand vous savez pas, vous savez pas trop, vous rajoutez. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est le résultat à la fin. C'est le résultat, ok? Parce que j'ai l'impression que j'avais mis trop de noir. Voilà. Voilà. Hein? On arrête là, j'arrête là, j'arrête là. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Alors, je vais prendre mon crayon noir. Hop. Je vais bien l'étaler au niveau de mon rat-cils. Et ici. Hop. Et je vais remonter un petit peu comme ça là pour bien. Ah, j'ai une petite mèche là qui. Donc voilà, hein, c'est un maquillage voilà, de tous les jours. Même pour aller en soirée si vous voulez. C'est. Alors. Ha ha! Ça! Faut bien l'appliquer sinon. Ouf! Si vous le ratez là, c'est mort. L'eyeliner. Allez, c'est parti les gars. Non, avant de commencer, j'enlève un petit peu le surplus. Et on va, hop, appliquer l'eyeliner. Hop, voilà. Et hop, vous voyez comment j'ai fait? Donc ici, pareil. Après, je viendrai remplir. Mais déjà, j'essaie de faire ce côté-là. Hop. Et voilà. Bon, moi, j'ai l'impression que ici,
Ici est mieux fait que l'autre côté. C'est toujours ça le problème de se faire l'eyeliner, n'est-ce pas? Des fois, il y a un côté qui match pas vraiment et l'autre côté, le côté raté. Oh my God! L'eyeliner, c'est le plus compliqué, je trouve, hein. Après, si vous avez des astuces pour bien faire l'eyeliner, je suis open, faut me dire, faut me dire, hein, si vous avez d'autres astuces. Ouais, hop. Je remplis, voilà. Et je descends un peu plus bas, hop. Comme ça, et ici, voilà, hop, voilà. Donc si, comment dirais-je, si vous avez, je sais pas, des petites astuces pour l'eyeliner pour bien faire son truc là, je suis prenante, il faut me dire. Faut me le dire, comme ça, voilà, on va évoluer ensemble. Ah, là, c'est les débuts, mais bon, je trouve que je m'en sors pas trop mal, c'est tant mieux. Et alors, qu'est-ce qui me manque, hein, dites-moi. Alors, il me manque mascara. Donc, on va appliquer le mascara. Hop, vite fait. Et j'essaie de ne pas en mettre partout, hein. Ce mascara, il me fait des cils de ouf. Voyez. Voilà, le mascara est fait. Et on va mettre une petite touche de lumière. Eh oui, les gars. Comme je suis tout en marron, je vais mettre juste un petit peu. Je vais prendre ce fard et je le mets au niveau du coin de l'œil, comme ça. Bon, je crois que j'ai pas pris, j'ai pas, c'est pas le bon pinceau là. Vraiment très 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 discret. À peine on voit quoi. Très très discret. Parce que marron, c'est discret. Donc voilà. Et maintenant, on passe au crayon, le contour. Donc voilà. Ah, j'ai dépassé. J'ai dépassé. C'est pas bon. Voilà. Ah. Allez, on va dire ça arrive, ça arrive. Donc voilà, je peux rester comme ça. Comment vous trouvez? Alors, je suis en train d'hésiter de mettre soit un petit le gloss ou cette couleur-ci, mais je pense que avec ça fera un peu trop. Et ou sinon, tout simplement rester comme ça. Et puis prendre un petit, comment dire, je vais vous montrer comment je fais. Parce que des fois, voilà, prendre l'highlighter et venir. Mettre un petit peu. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et puis, puis en dernier. On me connaissait maintenant. Je peux pas vivre sans ça, les gars. Je peux pas. C'est l'highlighter, c'est ma vie.
Ah, j'adore tout ce qui brille. Voilà, moi, je ne peux pas vivre sans ça. Donc, voilà. Je vous jure, même si je pars aller acheter du pain, j'en mets. Même si je pars acheter du pain, j'en mets. Donc, hop. Voilà. Hey! Voilà, c'est fini. Je ne touche plus rien. Fini, fini. Sauda. Voilà, Sauda qui aime trop en faire. Et puis vous faites votre petite coupe sympa. Il est sympa, hein, ce petit gilet, je trouve. Le petit gilet, il est trop sympa. Donc voilà, regardez comment c'est. Donc j'espère que vous aimez. C'est vraiment très très simple sur les tons marron. Très comme ça quand vous allez aller danser là. Tchit, 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 ou quand vous allez voir votre copine. Ah ouais, t'es toute belle et tout. J'adore ton maquillage. Donc voilà, c'est un petit tuto assez sympa. Donc j'espère que vous avez aimé. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour vous apporter d'autres conseils, comment je fais, etc. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification et mettez-moi des likes. En tout cas, merci d'être là, c'est très gentil et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!